monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Mila qui est là-bas derrière. Mila, elle est en train de draguer Superman, pour tout vous dire. Oui, Superman. Je m'excuse donc si vous voyez la caméra qui bouge un petit peu, etc. C'est parce que Mila est juste derrière. Elle cogne parfois dedans, etc. Donc je m'excuse déjà d'avance pour tout ça. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau swap. J'ai fait un swap avec la chaîne. Là, en fait, je vous explique, ça fait juste 10 fois que j'essaye de vous présenter avec qui j'ai fait le swap. Mais ça embête Mila, donc elle n'arrête pas de parler au-dessus de moi. Je sais pas, vous l'entendez sûrement. J'arrive pas à en placer une, en fait. Je vais encore essayer une fois, et puis tant pis, désolée, si... j'espère que vous allez entendre ce que je vous dis. Mais bon, je suis désolée si vous si vous entendez pas. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau swap. Je vous retrouve donc... Vous voyez qu'elle le fait exprès quand même, hein. Je suis en train de taper une barre, j'en peux plus. J'ai les yeux qui pleurent, je vais avoir mon mascara qui va couler. Bon, on va recommencer encore une fois. On va encore essayer. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau swap. J'ai fait un swap avec ma copine Magali de la chaîne Parentillage. Donc bien sûr, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo parce que je lui ai également envoyé un colis pour son bébé. En fait, c'est une chaîne aussi maman et bébé, mais assez humoristique. En tout cas, la façon dont elle parle et dont elle tourne ses vidéos est assez drôle. J'ai toujours beaucoup aimé ce qu'elle fait. Et en dehors de ça, c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Donc j'étais très très contente de faire ce swap avec elle. On a décidé de faire un swap sur le thème bébé, donc on pouvait s'envoyer ce qu'on voulait tant que ça avait un rapport avec bébé. Elle a également un petit bébé qui s'appelle Nino, donc j'ai dû faire du shopping pour Nino tout simplement, et ça a été un vrai plaisir, même si faire du shopping pour les garçons, je trouve toujours ça beaucoup plus compliqué que pour les filles. Donc je vous ai expliqué le thème, il y avait également un budget, on s'est donné le budget de 50 €, donc on avait le droit de dépenser 50 € chacune pour le swap. Donc je vais tout de suite ouvrir ce swap avec Mila qui est là-bas, qui viendra peut-être pendant le swap, on verra bien. Parce que là, elle est en train de tout retourner dans la chambre, ce qui est bien sûr bien plus intéressant que d'ouvrir ce carton avec moi. C'est pas évident, je sais pas comment ça s'ouvre, les cartons classiques comme ça, c'est toujours un peu dur. Ah, ouais, mais c'est collé en plus. Oh là là, c'est méga dur à ouvrir. Je suis en train de tout arracher le carton. Voilà. Oh, c'est trop joli. Oh là là, Mila, viens voir. Regarde, elle va venir là. Waouh, c'est trop beau. Donc il y a un petit mot, je vais essayer de vous lire ça avec Mila qui essaye d'arracher tout ce qu'il y a dans la boîte, bien sûr, comme d'habitude. Donc je vais devoir tenir ça et m'arranger comme je peux. Chère Mila, voici enfin le swap que maman et moi avons préparé pour toi. Quand elle cherchait des idées, je lui ai soufflé toutes les meilleures. Je t'ai préparé un petit menu. Numéro 1, comme ce cadeau est déjà un emballage, on ne l'a pas emballé, par contre on l'a utilisé pour emballer des bricoles. Ouvre vite ta valisette. C'est justement ce que Mila, elle voulait ouvrir, hein, comme vous pouvez le voir. C'est donc une petite valisette comme ça qui est trop jolie. Une petite valisette, attends, chut. Une petite valisette ananas qui est trop trop jolie. Regarde, Mila elle aime bien les petites valises. Ça c'est à maman, attends mon cœur, c'est le menu. Je vais le mettre sur le côté parce qu'autrement je vais pas en sortir. C'est très compliqué de faire des swaps avec des bébés, hein. Je vous préviens, si vous n'avez pas encore tenté le coup, c'est très très compliqué. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un joli bavoir. Mila, elle est debout là, je sais pas si vous voyez, mais elle marche pas encore. Il y a deux jolis bavoirs, qu'est-ce qu'ils sont jolis, dis donc. Je pense que la petite boîte, elle vient de chez Emma. Donc, je ne me trompe pas, la petite boîte vient de chez Emma. Et les bavoirs, je pense aussi qu'ils viennent de chez Emma, je reconnais un petit peu le style, donc j'essaye de vous montrer ça comme je peux, hein. C'est pas évident cette vidéo, hein. Donc voilà, ils sont trop trop jolis, ils sont trop beaux et la petite valisette elle est trop mignonne. T'aimes bien? T'es contente? Oh, pour ça t'arrives à tenir debout. Oui, oui, c'est joli. Oh, oh ben oui. Tu la rends à maman? On va regarder le reste. Tu veux bien? Alors, ensuite, attends, parce qu'en plus, normalement, il y a quelque chose qui casse. Numéro 2, ce sachet contient tes accessoires de star pour l'été. Waouh! Regarde déjà, le sachet est trop joli. J'adore ce truc d'emballage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
dessiner un petit bandeau, je pense, avec des petits pompons pour faire comme des petites oreilles. Oreilles, je ne sais pas. On regarde. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit bandeau, tu veux regarder? Oh, il est trop joli. Attends, maman elle va déposer ça et on va regarder à deux. Oh là là! Regardez comme c'est trop joli. Ah, c'est trop mignon. Et les lunettes? On essaye les lunettes? Waouh! C'est trop beau. Donc elles sont trop canon. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais elles sont... Elles sont pailletées et orange fluo sur le côté, elles sont trop belles. Et le petit bandeau est trop mignon aussi. Merci. On va reprendre la boîte et on va regarder le reste, mon cœur. Ensuite, numéro 3, maman et maîtresse. Alors, elle peut pas s'empêcher d'offrir des livres à tout le monde. Elle voulait te prendre du Proust, mais j'ai dit non, on lui met mon préféré. Attends. Aïe, mes cheveux, Mila, t'es en train de m'arracher les cheveux. Numéro 3. Oui, on va regarder ça tout de suite. Alors, numéro 3, je pense que c'est celui du fond. Numéro 3, c'est celui du fond, c'est celui-ci. C'est toujours un petit sac trop joli. Et alors, à l'intérieur, il y a un petit... Non, attends, c'est pour après, mon cœur. Regarde. Waouh! Oh, c'est joli. Mila, elle adore les livres. Waouh! Oh, c'est une grenouille. Oh, c'est chouette. Regarde, tu sais ouvrir les petits. Regarde comme c'est joli. Comme les bleuets et les myosotis. Oh, c'est joli. Tu veux regarder celui-là aussi? Waouh! Ça ne ment pas. Elle est vraiment contente. Oui, regarde là. Oh, c'est jaune. Comme cet oiseau, peut-être un canari à l'intérieur, je ne sais pas. Ah non, des petits poussins. Oh, c'est trop joli. Oui, celui-là. Et comme des petits pois. Waouh. Il est trop chouette ce livre, j'adore. Donc ça se présente, je vais quand même vous montrer. Ça se présente comme ça. C'est trop joli. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois des petites choses qui, par rapport aux couleurs en fait. Alors numéro 4 et 5, on a hésité entre deux tenues, alors on n'a pas voulu choisir. Numéro 4 et 5, donc ça c'est celui de tout à l'heure. Numéro 4, il est là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air trop joli. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, c'est dans un petit sachet. Décidément, elle m'en veut aujourd'hui. Hein. C'est une petite tenue. Déjà, il y a un bandeau. Je vous montre. Un petit bandeau comme ça avec des petites cerises. Mais je sais pas si vous voyez bien là, mais je vais vous faire des grands plans de tout. Oh, c'est trop joli. Donc voilà, c'est une petite tenue comme ça avec un espèce de bloomer. Elle est trop jolie et le bloomer, il est juste canon. Je sais pas si vous voyez avec les petits volants. Je vais essayer de lui faire porter après pour vous montrer ce que ça donne porter. C'est vraiment super. J'adore, je trouve ça magnifique. Et donc il y avait une deuxième tenue je pense, donc c'était 4 et 5, ça doit être celui-ci. Voilà, cinquième, dans une petite enveloppe depuis tout à l'heure, ou sac, je sais plus, dans un petit sac quoi. Ça a l'air trop joli aussi. Oh là 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 là, elle va adorer. Donc regarde mon cœur, qu'est-ce que c'est? Attends, regarde. C'est qui ça? C'est Hello Kitty. Bah oui, mais Mila est totalement fan d'Hello Kitty. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là 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 là. Waouh. C'est Hello Kitty, mon cœur. C'est joli. Elle est superbe. J'adore, elle est magnifique. Et puis j'adore cette espèce de verre. Je sais pas vous expliquer, c'est un verre vraiment bien pétant. J'adore. Sixième, ce dernier objet, c'est pour décorer ta chambre. Voilà, on espère très fort que tout te plaira beaucoup. Gros bisous de la part de Nino et Magali pour Mila et Roxane. Donc on va regarder le dernier paquet qui est ici. Je vais essayer de l'ouvrir avec Mila dans les bras. Oh, c'est trop joli. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, ma caméra vient encore une fois de se couper. Je ne sais pas ce qu'elle a. Il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'elle a des petits problèmes en ce moment.
Et donc je ne sais pas où j'en étais arrivée, mais en tout cas je viens d'ouvrir le dernier paquet qui est trop joli, c'est une lampe. Je vais essayer d'enlever le plastique qu'il y a autour. Enfin c'est une lampe, donc c'est pas une lampe. C'est attends. Oui. Il y a un on-off en dessous, donc je sais pas trop. À mon avis le bonhomme il doit bouger peut-être. Ou c'est une lampe ou le bonhomme bouge. Mais il n'y a pas d'ampoule, donc je pense que le petit bonhomme doit bouger. En tout cas c'est trop trop mignon. Donc voilà, je viens de la brancher, en fait c'est une lampe. Il me semblait bien que c'était une lampe. Donc ce que vous entendez c'est Mila qui est en train de partir là-bas. Elle est trop canon, j'adore. Et c'est en... c'est pas en verre, c'est en plastique. J'avais peur qu'il y ait quelque chose qui casse parce que le carton était arrivé un petit peu abîmé, mais tout est nickel. Donc pendant que Mila regarde son livre, donc que je fais diversion, je vais essayer de finir cette vidéo. En tout cas je te remercie vraiment Magali pour tout ce que tu y as acheté. Tout est super joli et c'est des trucs de super qualité. Je te remercie vraiment beaucoup. Je suis très contente, comme j'ai dit au début de la vidéo, d'avoir fait ce swap avec toi parce que t'es quelqu'un que j'apprécie vraiment et je le dis sincèrement. Et donc bien sûr je vous mets le lien du swap que j'ai envoyé à Magali. Je sais pas, je vais vous mettre ici quelque part. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour voir ce que je lui ai envoyé à mon tour. Et bien sûr n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne, ça lui fera vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous.